Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Je vous interviewe aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkerview. Eh ben, bienvenue. J'aurais voulu avoir votre avis sur les questions de Big Data. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est un vaste sujet, mais bon, je pense que c'est avant tout une technologie, c'est-à-dire que c'est pas une religion, et à ce titre, ça offre des opportunités fantastiques, mais aussi des menaces et des enjeux de vie privée relativement importants. Je donne un exemple que moi m'y cher, et je pense qu'il résume assez bien le propos, c'est avec les big data, je peux assez facilement réussir à prédire l'état de santé des gens à partir du moment où j'ai des données en grand nombre, des données d'historicité de santé par exemple, de l'ADN ou des choses comme ça. La question c'est de savoir comment est-ce qu'on organise ça. Est-ce que on organise ça de façon individuelle? Est-ce qu'on l'organise de façon collective? Est-ce qu'on l'organise de façon systématique? Est-ce qu'on le fait en mode opt-in? C'est quoi le mode opt-in? Le mode opt-in, c'est sur le consentement volontaire. C'est-à-dire que je dis, je suis d'accord pour que mes données de santé soient traitées. Et à partir de là, on pourrait dire, ben voilà, on prévient les gens, on leur donne des conseils sur la façon dont ils devraient faire se soigner, s'alimenter, etc., etc. Donc ça, c'est un rapport évidemment extrêmement différent entre les institutions et les individus, parce que ça veut dire qu'on accepte de confier des données extrêmement sensibles aux institutions pour qu'elles puissent nous dire, attention, si vous faites pas ça, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous allez avoir une maladie grave, coronarienne, chronique de tout type. Donc de même, on pourrait très facilement dire, dans une population donnée, c'est pas la peine de vacciner tout le monde de la grippe chaque hiver. On peut repérer les gens qui sont les plus sensibles et les inviter à aller se faire vacciner. Et à contrario, on peut aussi dire à d'autres gens, vous, c'est pas la peine de vous vacciner parce que vous avez une sensibilité qui est faible à l'égard du virus qui arrive. Donc ça, c'est typiquement l'enjeu des big data. Mais on voit bien que le postulat initial, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance dans le système de santé, il y a des possibilités de déviance, d'une part, et au-delà de ça... Dans le système de santé ou dans les institutions ? Ben je parle à l'égard de la santé, hein, mais c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends les transports en commun ou les transports en général... L'optimisation des transports en commun grâce à la big data. Voilà, on peut optimiser mais non seulement les transports en commun, mais aussi mes déplacements personnels. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais avoir une sorte de système qui va chercher dans mon agenda et qui va repérer que je vais au travail à telle heure... Et donc qui va optimiser les horaires des bus en fonction des intérêts collectifs, c'est-à-dire qui va dire voilà, il y a dans ce quartier il y a 30 personnes qui vont au travail à telle heure, donc on modifie en temps réel entre guillemets les horaires de bus parce qu'on voit que c'est plus pertinent. Et en l'occurrence, ça ferait disparaître les horaires. Si vous deviez vous faire l'avocat du diable. Et alors bon voilà, donc tout ça repose sur le principe de confiance dans les systèmes et le principe de juste réciprocité. Mais c'est évident que on peut avoir des glissements très importants, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de réciprocité et que ça sert à abuser de nous. Donc l'exemple à l'égard de la santé, c'est évidemment les assureurs, donc les assurances complémentaires, et on se dit ils vont refuser d'assurer des gens ou ils vont les assurer très cher, etc., etc. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de réciprocité puisqu'il y a un abus des données qui sont utilisées au-delà de ce qu'on veut et il n'y a plus le sens de la solidarité, c'est-à-dire le sens commun de la re-répartition du système de santé, enfin de l'utilisation du système de santé. Et donc je crois que les postulats qui président à la mise en place de Big Data de façon efficace, c'est une grande transparence démocratique et un débat sur le modèle que l'on souhaite parce que je pense que comme ces systèmes n'ont pas été pensés, ça nécessite de se poser la question de savoir comment on veut les utiliser. Vous parlez de débat. Est-ce que vous avez suivi comment la loi de programmation militaire a été passée? Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment, il y a du débat autour de ces questions ou c'est ouais, des questions qui sont imposées? Ouais, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc moi, je me suis insurgé contre l'article 13 versus 20 de la loi de programmation militaire. Et en fait, je l'ai fait parce que... j'ai compris finalement assez tardivement que les
les institutions ne comprennent pas, ou en tout cas ne veulent pas comprendre, les risques que les modèles institutionnels qu'elles créent génèrent. Je m'explique. Jusqu'à présent, on considérait que les écoutes, ce genre de choses, c'était relativement restreint, c'est des choses qui étaient relativement restreintes et qui étaient cantonnées à un aspect technico-technique, et donc on pouvait créer une sorte d'entité qui allait être chargée de faire ça. Et on a continué dans cette direction. Et le problème que j'ai avec les systèmes d'écoute, c'est que ils sont rattachés à l'exécutif et ils transmettent au pouvoir judiciaire les résultats de l'enquête. Mais de ce fait, on biaise la base même des principes démocratiques qui sont la séparation des pouvoirs. Et de fait, l'esprit des lois, enfin de Montesquieu en l'occurrence, est particulièrement maltraité. C'est-à-dire que je vois pas dans un modèle actuel ce qui empêche, pour ceux qui se souviennent de ça, une affaire Rainbow Warrior où l'exécutif avait complètement, comment dire, truqué les éléments d'enquête de se reproduire, de fait, la notion de fonctionnement normal de la démocratie être préservée. Parce que je rappelle que les écoutes sont faites par une institution militaire, sur requête ou non d'ailleurs du juge. Et par ailleurs, la police judiciaire, donc qui est chargée d'instruire les enquêtes, est rattachée évidemment au ministère de l'Intérieur et donc n'est pas indépendante non plus. Donc il y a un vrai risque de perversion, entre guillemets, du système. Je pense que maintenant que nos vies sont massivement numériques, c'est-à-dire que si je porte des objets connectés, ma vie réelle, elle est très facilement monitorable. Je pense que il faut se reposer la question de l'organisation de nos institutions, et y compris de l'indépendance de la police judiciaire, parce que voilà, moi je considère que les outils d'enquête numérique sont plus faciles à pervertir, à truquer, parce que c'est virtuel, et donc on peut introduire des dossiers dans les ordinateurs des gens, que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie vous avez des témoins, vous avez des tierces parties, vous avez des preuves matérielles qui restent ou pas, et c'est relativement différent. Et je pense que le législateur, soit par ignorance, soit par mauvais esprit, entre guillemets, a fait vraiment une erreur préjudiciable au fonctionnement de la justice et d'une façon plus générale de la démocratie, en mettant en place cet article 13-20, et je crois qu'il est encore temps de revenir là-dessus. Comment on fait à l'échelle du citoyen pour repenser ces institutions ou pour reprendre le contrôle de ces institutions? Mais c'est un vrai sujet, et c'est même le sujet, je pense, c'est que on se rend pas compte qu'on est en train de changer d'ère. Et moi, je crois qu'on passe de l'ère de la deuxième révolution industrielle à une ère de la troisième révolution industrielle, qui est celle de la data, et que ça pose des problèmes éthiques fondamentaux et qui nécessite un débat citoyen. Ce débat n'a pas lieu. Il n'a pas lieu parce que nos institutions considèrent que c'est le cours normal des choses, l'évolution normale des choses. Et d'ailleurs, la régulation qui nous est imposée, qui est mise en place par nos institutions, c'est une régulation qui est décalée parce que elle continue à réguler pro forma, comme si on était toujours dans une ère dans laquelle on n'est plus. Et donc, moi, je crois que, c'est essentiel que le monde politique soit éduqué à ces enjeux-là. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il y a un réveil citoyen qui est indispensable. Et je crois qu'on peut avoir un débat serein sur ces enjeux. Je crois que c'est pas manichéen. C'est-à-dire que les technologies permettent de faire des choses intéressantes, permettent aussi de faire des choses négatives, et que il faut éviter qu'il y ait une opposition entre les pros et les contres, mais qu'on fasse la part des choses et qu'on crée un environnement institutionnel qui nous permette de réussir cette transition dans cette nouvelle ère. Lorsque vous étiez au Conseil national du numérique, est-ce que vous aviez l'impression d'être écouté? Curieusement, non. J'ai pas eu le sentiment d'être écouté. Assez curieusement, j'ai eu le sentiment d'avoir une relative indépendance.
Il y a eu des choses sur lesquelles ça s'est pas hyper bien passé. Je crois que notamment, on a eu la volonté d'avoir une voix assez libre. Qu'est-ce qui s'est mal passé ? Ce qui s'est mal passé, à plusieurs reprises, on a exprimé un avis très librement, sans entre guillemets passer par le canal officiel, et ça nous a été reproché, ce que je peux comprendre. De fait, comme je le racontais dans mon livre, nous on considérait qu'il fallait entre guillemets être une sorte de guérilla positive, c'est-à-dire d'être dans le dialogue, mais en même temps d'afficher très radicalement ce qui nous semblait être une nouvelle voie. Radicalement ou franchement ? Franchement, c'est-à-dire de dire, de pas mettre d'eau dans notre vin et de dire voilà, ce système fonctionne pas du tout. Et d'ailleurs, de mémoire, je crois que le premier avis qu'on a eu, c'était sur une directive paquet télécom et sur des enjeux de liberté publique. Je suis pas sûr, mais je crois que je suis à peu près. Et ça, c'était le surlendemain de la création du CNN ou dans la première semaine de la création du CNN. Et je crois que ça a un peu donné le ton, c'était assez drôle. Je vais ouvrir une parenthèse parce que vous parlez de télécom. Qu'est-ce que vous pensez des relations un petit peu incestueuses entre Orange et la DGSE ? Alors, j'ai entendu parler de ça. Objectivement, je voudrais pas dire de bêtises, j'ai pas investigué outre mesure ça. Si c'est vrai, c'est évidemment extrêmement problématique. Je connais pas bien le dossier, donc j'aurais pas à dire de bêtises. Voilà, on ferme la parenthèse. Que manque-t-il au Conseil national du numérique pour peser dans la balance ? Le Conseil actuel, bon, il est un peu nouveau, donc je sais pas si je pourrais émettre un avis. Moi, je pense qu'il faut avoir une certaine radicalité, c'est-à-dire que on est face à des gens qui, parce qu'ils viennent d'une autre ère, ne comprennent pas bien les enjeux en question et ont l'impression que c'est subsidiaire. Et donc je pense qu'il faut émettre avec un certain à-propos radical des avis et il faut s'assurer que ça prise sur la société civile. C'est-à-dire que moi je rêve de concertation très large sur les enjeux de data par exemple. Je pense que les enjeux de data sont extrêmement ambitieux en termes de potentiel et que ça nécessite non pas une réponse immédiate mais une discussion permanente sur tout un tas de sujets de société. Par exemple, est-ce que on crée des identités électroniques et si oui, dans quelle mesure on garantit que ça va pas être une source d'abus? Quel est le type de système de big data qu'on peut envisager sur différents thèmes, différents terrains? Est-ce que l'éducation au numérique doit être quelque chose de systématique? Et quel type d'éducation au numérique, etc., etc. Tout ça, c'est des enjeux qui sont importants. Et moi, je n'ai pas envie de les confier exclusivement à des gens que je considère être finalement les plus soumis à la fracture numérique. Parce que pour régulièrement parler avec des hommes politiques, mais aussi avec différentes classes de la société, c'est là où je vois la plus grande fracture numérique. C'est-à-dire que les gens qui se font imprimer leur mail, c'est pas des gens qui sont ouvriers en province. C'est un petit peu comme les juges qui ont jugé l'affaire Bluetooth. Ah ouais, incroyable, avec Google. Allez, un petit mot là-dessus, là. Pour moi, ça m'étonne pas, c'est juste le cours normal des institutions. Donc, des juges qui n'ont pas été juste éduqués à ces notions-là. Pourquoi ? Parce que il y a la classe d'âge. En général, les gens qui sont à la tête de ce pays, ils sont plus vieux que la moyenne des Français. D'ailleurs, les jeunes vont pas voter parce qu'ils se sentent pas représentés. Et puis au-delà de ça, il y a l'isolement institutionnel. C'est-à-dire que quand on appartient à une institution d'État, on est un peu hors sol, et de fait, on voit pas la vraie vie, on la voit moins qu'ailleurs. Et donc effectivement, on assiste à des conséquences, et je trouve que c'est plutôt intéressant cette affaire Bluetooth. C'est-à-dire que là, ça montre vraiment de façon extrêmement concrète ce qui se passe, et que moi, lorsque je le dis... On me dit mais là t'exagères, c'est pas comme ça que ça se passe,
etc. Ben si ça se passe partout comme ça dans l'État, ils ne comprennent pas ces enjeux du tout. Alors vous avez déclaré dans une interview que la CNIL était un ennemi de la nation. Oui, et je pense que j'ai pas été forcément bien compris par tout le monde lorsque j'ai dit ça. Mon propos c'était de dire que c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que je vois pas pourquoi la CNIL confisquerait le débat à l'égard de la donnée en disant voilà, c'est comme ça qu'on va la réguler. Pour moi, le problème de la CNIL, c'est que ils n'ont cessé de dire ouais, tout ça c'est très dangereux. Et moi je crois qu'à la fin le message que je percevais, c'est le mieux pour que ça arrive pas, c'est qu'il y en ait pas. Et je pense que qu'il y en ait pas ou qu'il y ait mieux, plus divers, diversifié. Oui, mais c'est pas ce que dit la CNIL. C'est en tout cas, il y a plusieurs CNIL. Il y a la CNIL, je pense, avant cette déclaration, et depuis il y a une évolution dans le débat, dans la prise de position de la CNIL là-dessus. Mais encore une fois, le problème de la CNIL, c'est le cantonnement au sein d'une institution administrative d'un débat qui est un débat qui nous concerne tous. Et je ne pense pas qu'on puisse laisser la CNIL ou par ailleurs la Haute Autorité de Santé décider la façon dont nos données doivent être traitées. Moi, j'aurais tendance à dire que personnellement, je préfère que mes données soient plus largement utilisées, mais que j'ai une plus grande transparence sur la compréhension des enjeux, la façon dont elles sont utilisées, et une plus grande capacité à pouvoir décider ou non. Par exemple, c'est un sacré objectif. Je vous coupe. C'est un sacré objectif. À l'heure actuelle, on est dans l'ère pratiquement de la perte de confiance généralisée, sans tomber dans les théories conspirationnistes ou contestataires ou réactionnaires. Les journalistes ne sont plus écoutés. Les hommes politiques ont perdu la confiance de leurs électeurs. Le vote contestataire se manifeste à travers le vote du Front National, sans même, je dirais que des gens votent Front National sans même adhérer à leurs idées, uniquement pour avoir un vote contestataire. Là, on touche sur un débat qui est très très sensible. À votre avis, quel est l'organisme ou l'évolution des consciences qui pourrait apporter le rétablissement de cette confiance dans la gestion de nos données? Le big data, c'est quelque chose qui peut être très salutaire pour l'évolution d'une société, mais qui peut être aussi très très néfaste. Bien sûr, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un débat? Est-ce qu'on fait un forum? Est-ce que vous voulez être le fer de lance pour fédérer cette nouvelle ère de la confiance autour du big data? Est-ce que vous êtes prêt à tendre la main à des hackers, à tendre la main à des gens un petit peu moins représentatifs, mais beaucoup plus proches de la population? Alors, c'est le cœur du réacteur, ce dont on parle. Pour répondre à la première partie de la question, c'est moi, je crois que une des raisons qui font que ce pays a pas confiance dans ses institutions, c'est la nature même de ces institutions, qui sont néo-monarchiques, c'est-à-dire extrêmement verticalisées. On est le pays au monde où il y a le plus d'élus. Il y a 600 000 élus en France, 630 000 élus. C'est unique au monde. Rapporté par habitant, ça fait un élu pour 100 habitants. Et de fait, on fait ça, moi ma conviction, c'est pour priver l'expression de la société civile directe. La démocratie directe. Voilà, c'est l'enfermement du débat au sein de spécialistes. Et on est une société qui est fascinée par l'élitisme, par l'élite, par les élites. Et je constate que dans beaucoup de pays, on fait évoluer le cadre institutionnel pour inclure la société civile dans le débat. Et on est très loin de faire ça en France. Je pense que c'est même un peu la terreur des institutions, c'est-à-dire que moi, je crois que c'est par peur des jacqueries de province que on a créé des institutions qui ont cette forme-là. Et il me semble que à une époque où les institutions ont perdu pied par rapport à cette nouvelle donne technologique, on doit soit leur imposer de changer de forme, soit créer le débat à côté des institutions. Et effectivement, leur imposer comment ? Je pense en leur montrant que ils ne comprennent pas. Donc c'est pour ça que moi j'ai souvent des mots assez durs à l'égard de du pouvoir politique, parce que je considère qu'ils mettent le pays dans le mur et que au-delà de ça, ils favorisent l'émergence de pensées radicales, notamment du Front National, de ce genre de choses, parce que ça fait 30 ou 40 ans qu'ils nous imposent une alternance de débats entre la droite et la gauche qui ne sont pas la solution. C'est en gros, c'est le débat, c'est est-ce qu'on fait une société de l'offre ou une société de la demande. Et je pense qu'à l'ère du numérique, c'est plus l'enjeu. Par exemple, les enjeux de la gratuité, du travail gratuit,
d'avoir des plateformes open, c'est absolument pas au cœur du débat politique. Et ça devient tellement significatif. Je rappelle que le Bureau of Statistics américain a dit, maintenant dans la croissance américaine, il y a les chiffres qu'on peut mesurer de façon monétaire, mais il y a aussi une part de travail gratuit. Quand on accède à Wikipédia, on accède à la richesse, mais on paye pas pour ça. Et donc ça, cette notion-là, elle peut paraître... L'intelligence collaborative. Ouais, l'intelligence collaborative, exactement, ces notions-là. Ces notions-là, moi je pense qu'elles devraient faire partie du débat politique, elles en font absolument pas partie. Mais pas seulement la démocratie directe, c'est aussi un enjeu de débat politique. Et je pense que ils vont continuer à avoir un effritement de leur confiance tant qu'ils prendront pas en compte la dimension de la société numérique qui a des fondements qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on connaît actuellement. Donc pour répondre à la question, je pense que oui, le problème c'est qu'il n'y a pas ce débat, qu'il faut ce débat. Oui, moi je m'implique pour le faire émerger et j'essaye de trouver des plateformes avec différentes institutions, différentes associations pour réfléchir à ça. J'étais encore ce matin et hier d'envoyer des mails à ce propos. Je sais pas exactement comment ça peut se faire. Et oui, évidemment, toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour réfléchir à ça. Alors, en parlant de bonnes volontés, je voudrais votre avis sur les hackers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je connais pas bien le monde des hackers. J'en rencontre, évidemment, mais il n'y a pas de labellisation officielle des hackers. Moi, il y a plusieurs choses dans, on va dire, ce que m'évoque la notion de hacker. Pour moi, il y a la notion de la pensée alternative qui est intéressante parce que c'est rompre la pensée commune et dire bah on peut faire les choses de façon différente. Ça, c'est évidemment quelque chose que je suis que je respecte beaucoup. Il y a le principe du contre-pouvoir et évidemment dans une période actuelle où finalement, on a des choses qui sont chuchotées, qui sont pas exprimées. Avoir ce contre-pouvoir, c'est bien. Et je suis évidemment très favorable à ça. Et je pense que les hackers doivent aussi émettre des idées. Donc, pas uniquement être dans les notions de code et de choses qui sont pas forcément comprises par le grand public, mais doivent participer au débat public. Puis, il y a la troisième notion, c'est les hackers un peu noirs. Évidemment, moi, je peux pas adhérer à des gens qui... ont des comportements... Oh, c'est une minorité. Qui sont évidemment une minorité, je le pense aussi, en général. Trois petites questions. Vous avez reçu le titre de Digital Champion. Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu ridicule ? Pourquoi pas Digital Super-Héros ou Digital Superstar ? J'adorerais Digital Super-Héros, ouais. Ça m'irait très bien. Je veux bien mettre une cape si Bruxelles change le titre. D'accord. Deux dernières questions. Gilles Babinet, donnez, si possible, aux jeunes générations qui nous écoutent sur Internet, donnez-leur des conseils, des préconisations, que si vous aviez à laisser une bouteille à la mer sur Internet, l'immortalité de ce conseil, qu'est-ce que vous laisseriez à ces jeunes générations ? Alors, il y a plusieurs types de conseils. Il y a les conseils de façon à l'égard de la vie professionnelle, de ce genre de choses. Donc, moi, c'est idiot de le dire, mais je pense que le fait de maîtriser un peu le code, c'est bien. Mais ça mérite d'être dit, même si je suis pas forcément devant les gens qui sont les plus à même de faire attention à ce conseil, puisqu'ils sont déjà là-dedans. Je pense que la pensée alternative, c'est important. C'est-à-dire que on est dans un monde qui privilégie la pensée unique plus que jamais. Et dès qu'on commence à sortir du cadre, on n'est plus dans le cadre. Je pense, j'ai aucun respect pour... ce que je dis assez souvent, c'est que dans les années 60, on a eu une floraison de philosophes et de pensées alternatives. Et c'était une époque où on pouvait pas faire l'utopie. Et aujourd'hui, on est dans une révolution... conceptuel, technologique, qui est mené par le monde du numérique, et que on voit pas de pensée alternative, pas beaucoup. Et donc, je crois que c'est important de l'exprimer. Et la troisième chose que je dirais à la jeunesse, c'est n'attendez pas qu'on vous donne le pouvoir, prenez-le. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que partout, les gens qui détiennent le pouvoir ne vous le donneront pas. Ils vont le garder, et le garderont de façon illégitime.
Et ça, moi, je le vois partout, tout le temps. Et ce qui est très bizarre, d'ailleurs, c'est que, par exemple, l'autre jour, j'étais dans un journal et on disait, voilà, vous faites partie de la jeune génération. J'ai 47 ans. Et je considère que c'est, ça montre bien combien il y a un décalage. C'est-à-dire que, en gros, les gens qui sont au pouvoir ont 60 ans, la génération montante a plus de 40 ans, et le reste, c'est des mineurs perpétuels. Donc, on peut pas laisser les choses continuer comme ça. Gilles Babinet, merci. Merci beaucoup. L'idée de la commission trilatérale vient de David Rockefeller, il y a 35 ans. Il a réuni quelques dizaines d'Européens, d'Américains, de Japonais, en leur disant, écoutez, on a des problèmes en commun. Par exemple, les relations avec la Chine, par exemple, les relations avec ce qui était à l'époque l'URSS. Essayons d'avoir des positions communes qui soient dans l'intérêt général. On est dans la captation de données, le recueil de données, dit la loi. C'est-à-dire qu'on va chercher chez des prestataires, chez des intermédiaires techniques, on va chercher des données, toutes données. Ça peut être des courriels électroniques, des courriels, des courriers électroniques. Ça peut être des données bancaires, ça peut être des mots de passe. C'est tout ça dont il s'agit. Demain, c'est un risque qui est permanent. Et j'étais surpris de voir que les étudiants Sciences Po n'étaient pas sensibilisés à ça. Ce risque, il est permanent. On peut très bien basculer vers un régime beaucoup moins démocratique, avec des valeurs nauséabondes. Je crois que l'actualité récemment a montré que, encore une fois, qu'on n'était pas si éloigné que ça. Ce qui me fait peur, c'est que tout ce que l'on met en place pourra être utilisé légitimement par justement ces gouvernements moins démocratiques s'ils venaient au pouvoir et pourraient automatiser un génocide ou automatiser des arrestations en masse. Et c'est ça qui me fait peur. Tant qu'on est dans un État démocratique, je crois que je veux bien faire confiance à nos États.